Good morning. Allez, Iden, nous serons aujourd'hui le Nishmat, Moulin Rabbi Shmuel Ben Shlomo Zalman, Nissim Ben Ahouda, Sarah Batran Rachel, Shlomo Ben Esther, Risha Batraim Nechemia, Shalom Ben Chbiba, ainsi que l'Irfat Avramori Ben Reout, Betor, Shav, Cholé Israël. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelles. Nous étudions le Sechet Svachim, Perek Yud Gimel Mishnah, Lefa Shochet, Ve'amale Bachutz, Chayav ala Shchita, Ve'chayav ala Aliyah. Rabbi Yossi Aglili Omer, Shachat Bifnim, Ve'ela Bachutz, Chayav. Shachat bachutz ve'ela bachutz patur. Shelo he'ela bachutz ela davar pasul. Amru lo afa shochet bifnim u'male bachutz kevan shehotzio pesalo. On commence en Sperek un tout nouveau sujet et on va le faire à partir des psukim. On est dans Vaikra, Perek Yuzayin, ça correspond à Mishnah, à Parashat Achremot. Et l'Aliya précisément, l'Aliya du Révi'i de Acharemot. Là-bas, il y a marqué, « Daber Hashem al Moshe lemor daber el Aaron ve'el banav ve'el kol b'nei Yisrael. Va'amarta lehem ze adavar asher tziva Hashem lemor, telle est la chose qu'Hashem a ordonnée. » Quoi? « Ish ish mi bet Yisrael, asher ishchat shor o chesev o ez b'machane, o asher ishchat michutz l'machane, ve'el petach o el moed lo evio l'akriv korban l'Hashem, יפנה משכן השם, דם יחשב על האיש ההוא, דם שפך, וניחת האיש ההוא מקרב עמו. C'est le din de shchute chutz. Je traduis le pasuk. Ish ish mi bet Israël, un homme du peuple d'Israël, asher ishchat, qui va abattre, égorger, shor, o chesev, o ez, un taureau, un mouton, une chèvre, bamachane, dans le campement. C'est-à-dire pas au Beit HaMikdash. Ou encore celui qui va égorger à l'extérieur du machane. Chaque mot il sera expliqué. Pour le moment, le pasuk continue en me disant Vel petacho el moed lo evio. Et il n'a pas porté cet animal-là au petach ohel moed, à la porte du ohel moed de la tente d'assignation, c'est-à-dire dans la hazara. Il a écrit le korban Hashem, l'Hashem, pour en faire un korban d'Hashem. L'ifne. Mishkan, Hachem, devant le Mishkan, le lieu de résidence, le tabernacle d'Hachem. Dam yichashev laish ahou, dam shafar. Le pasuk le compare à un assassin. Ouais, venichat laish ahou mikrev amo, et cet homme-là sera retranché du peuple. Succinctement, il y a marqué en deux mots, quoi. Ce sera mieux expliqué dans les détails, mais en tout cas, on parle ici d'un korban. En fait, on parle de quelqu'un qui avait un korban. Un animal qui devait faire Ola, Khatat, Shlamim, ce que vous voulez. Et au lieu de l'amener au Beit HaMikdash, il s'est mis à l'égorger dans sa cour. Alors la Mishnah m'enseigne, Shchute, c'est ce qu'on appelle Shchute Chutz, celui qui l'a égorgé à l'extérieur de la Hazara. Alors il est passible d'un Chiyuv Karet. Quelques Pesukim plus loin, on arrive au Pesuk Chet, et la Torah continue encore sur le même sujet, avec à présent une petite nuance. Ve'aleem tomar, et à eux tu diras, Ish ish mi bet Israël o minager, asher yagur betucham, asher ya'ale ola o zavach, ve'el petacho el moed lo yevi'enu, la'asot oto l'Hashem, ve'nichat ha'isharu me'amav. Je traduis, on va voir si vous faites attention à la différence. Un homme du peuple d'Israël, ou du guerre, un converti du peuple d'Israël, qui va faire monter une ola o zavach, qui va faire monter un korban. Alors la Torah répète apparemment la même restriction, la même interdiction, avec la même punition, et qu'il ne l'aura pas porté au Beit HaMikdash, et donc il sera aussi retranché. Ce qu'il faut faire attention, c'est que le premier parlait d'égorger, abattre l'animal en dehors du Beit HaMikdash. Là, à présent, on parle d'être ma'alé, de faire monter les membres pour les griller sur un autel. D'accord ? Donc en fait, ici, on a les deux interdits de notre Mishnah. On revient à présent sur notre Mishnah qui commence à me parler de Ashochet ve'ama'ale bachutz. Deux expressions utilisées par le pasuk. Un, qu'il a égorgé. Ve'ama'ale, c'est qu'il en a fait une ola, qu'il a fait monter en holocauste, qu'il a fait brûler. Donc en gros, on est en train donc de parler d'une personne qui avait un korban, et au lieu de la porter au Beit HaMikdash, il a égorgé dans sa cour, et il a brûlé en l'honneur d'Hachem dans sa cour, sans la porter au Beit HaMikdash. Alors, Chayav à la Shrita, ve Chayav à la Aliya. Il sera passible de deux carettes, deux fautes de retranchement, ou s'il était Beshogeg, sans faire exprès, alors il devra apporter
deux korban khatat, parce que vous savez bien que toute faute sur laquelle on est passible d'un korban, d'un karet quand on est mézide, lorsqu'on le transgresse alors que l'on est shogeg, alors on devra apporter un korban khatat. Donc, en deux mots, celui qui égorge un animal en dehors du misbeach, et qu'ensuite il va le faire brûler en l'honneur d'Hachem, en dehors du misbeach de Lazara, il fait tout ça dans sa cour, alors il sera passible de deux, il transgressera deux interdits, sur lesquels il y a pour chacun un karet. Rabbi Yossi Aglili, Omer, Rabbi Yossi Aglili dit, non, ça dépend. Shachat bifnim vehe'ela bachutz chayav. Rabbi Yossi Aglili vient préciser, par rapport à l'interdit de brûler les membres sur l'autel qui est à sur l'autel qu'on a construit à l'extérieur du Misbeach, à l'extérieur de la Hazara, à l'extérieur du Matamigdash, donc dans ma cour j'ai construit mon autel. Rabbi Yossi Aglili vient et me dit, attention, tu sais quand tu es chayav, si tu les fais brûler sur cet autel que tu as fait dans ta cour, c'est que quand shachat bifnim vehe'ela bachutz, lorsque tu as égorgé dans la Hazara, tu étais au Matamigdash et tu as pris ce korban, tu l'as mis sur l'épaule et tu es parti ensuite pour le brûler dans ta cour. Alors là, tu seras passible d'un chiyuv karet. Tandis que shachat bachutz vehe'ela bachutz, s'il a égorgé en dehors du Beth Amikdash et qu'il a fait brûler, et qu'il a brûlé les membres de la Ola, par exemple, ou de tout korban, à l'extérieur du Beth Amikdash, alors dans ce cas-là, il sera patour. Pour quelle raison ? Shelo he'ela bachutz ela davar pasul. Du fait qu'il a brûlé à l'extérieur de la Hazara, quelque chose qui était de toute façon invalidé. On explique un petit peu mieux. Rabbi Yossi Aglili vient et me dit, tu sais, pour transgresser l'interdit de brûler des membres de Ola ou de Korban à l'extérieur du Beth Amikdash, il faut nécessairement que ces membres-là étaient aptes à être offerts sur le Misbéach, et toi tu les fais à l'extérieur. Mais si le Korban il est de toute façon invalidé, alors tu ne pourras plus transgresser l'interdit de Ma'ale Bachutz, de faire brûler ses membres à l'extérieur du Beth Amikdash, puisque le Korban il est de toute façon invalidé. Principe simple, de ce fait, Rabbi Yossi Aglili me dit, si tu prends un korban dans ta cour, tu égorges et tu prends les membres, tu les fais monter sur le misbéach, tu seras passible juste sur le fait que tu as égorgé, abattu l'animal à l'extérieur du Beth Amikdash, mais pas sur le fait que tu l'as brûlé. D'accord ? Il faut nécessairement, donc, pour transgresser l'interdit de faire monter, prendre de quelque chose qui était dans la Hazara, apte à monter sur le misbéach, et que toi tu l'as pris, tu l'as sorti en dehors pour le brûler à l'extérieur. Amorulo, Chamim nous retorque. Mais dans ce cas-là, d'après toi, Rabbi Yossi Aglili, Af Ashochet Bifnim Umaale Bachutz Kevan Sheotzio Pesalo. Dans ce cas-là, selon toi, Rabbi Yossi Aglili, tu devrais même pas rendre Chayav d'un karet celui qui a égorgé à l'intérieur de la Hazara et qui l'a fait sortir à l'extérieur pour le brûler à l'extérieur. Pour quelle raison ? Af Ashochet Bifnim Umaale Bachutz Kevan Sheotzio. Puisque au moment où il va franchir les parois de la Hazara, il va maintenant rendre ce korban invalide qui ne pourra plus re-rentrer et être brûlé sur le misbéach. Dans ce cas-là, le korban il a été invalidé. De ce fait, selon toi, Rabbi Yossi Aglili, même sur cela, tu ne devrais pas le rendre chayav karet. On explique un petit peu mieux. Rabbi Yossi Aglili lui a dit, tu sais, si tu vas être chayav sur Ma'alé, sur le fait que tu brûles à l'extérieur du Beth Amikdash, il faut nécessairement que ce korban il soit apte à être offert à Hachem. Donc, si tu l'as égorgé à l'extérieur, ben, de toute façon, c'est un korban qui ne pouvait plus être égorgé. De qui ne pouvait plus monter sur le misbéach de la Hazara. Alors Rabbi Chachamim vient et leur dit, rétorque à Rabbi Yossi Aglili en lui disant, mais alors dans ce cas-là, si tu as pris un vrai korban qui était à l'intérieur de la Hazara, et tu as fait sortir les membres, depuis le moment où tu vas franchir les parois, les murs de la Hazara, le korban il va de toute façon être invalidé, tu n'auras plus le droit de le prendre et de le re-rentrer à l'intérieur du misbéach pour le brûler, c'est trop tard. Il est sorti dehors, Nifsal Beyotse, il a été sorti dehors, il est devenu pasoul. De ce fait, même lorsque tu vas le brûler, selon toi, tu ne devrais pas le rendre chayav. Or, bien sûr, c'est un raisonnement pas absurde, en lui disant, or, la Torah l'a bien sûr rendu chayav, de ce fait, ne me fais pas de différence. Est-ce que tu as égorgé à l'intérieur, tu l'as fait sortir dehors, ou tu l'as égorgé dehors et tu l'as brûlé dehors. D'accord ? Ça, c'est l'avis de Chachamim, et Bartanora nous rapporte la réponse de Rabbi Yossi Aglili, en lui disant qu'il y a quand même une différence essentielle, c'est que lorsque le korban il était kasher à l'intérieur du misbéach de la Hazara du Beth Amikdash, alors aitalo she'at akosher, il a eu un moment où le korban il était apte à être un vrai korban. Alors sur celui qui était un vrai korban apte à monter sur le misbéach,
Même si en route il a été invalidé, c'est pas grave, il sera quand même passible d'un chiouf karet. Mais un korban que depuis le début où il était égorgé, il était inapte à être offert sur le misbeach, sur lui la Torah n'a pas donné d'interdit de maaleh bachout, de brûler les korbanot à l'extérieur du Beth Amikdash. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de hatzlacha kol tov. Salam.